Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Dieu trois fois saint, Dieu grand, Dieu fort, Dieu réel, nous disons merci. Merci Seigneur Dieu pour journée à Seigneur, pour te permettre de nous traverser en bien. Nous disons merci, cher Seigneur Dieu, du fait que, cher Seigneur, peuple roi réuni par bon site, pour vivre bon gloire à l'orange, pour même seul mérité. Et qu'on y a, Seigneur Dieu, nous prenons rentrer, Seigneur Dieu, dans la présence, quand nous demandons autant prier l'Éternel, pour camper ensemble avec nous, pour présence sous la, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions, cher Seigneur, parce que, Seigneur Dieu, présence sous cher Seigneur Dieu, dans le temps, nous l'Éternel Dieu. Nous demandons qu'on y a, cher Seigneur Dieu, on va envelopper chaque monde qui est dans l'assemblée, Seigneur Dieu, avec présence Saint-Esprit, au Seigneur Dieu. Et nous demandons, autant prie l'Éternel des armées, on va rentrer dans musicien, on va rentrer, Seigneur Dieu, dans adorateur, on va rentrer, cher Seigneur Dieu, dans chaque monde, Seigneur Dieu, qui va faire un bagage, Seigneur Dieu, dans le concert, ça, cher mon Dieu. Nous demandons à soi à l'Éternel des armées, nous demandons au Seigneur Dieu, à gauche, nous demandons bloquer tout esprit, tout ennemi, Seigneur, ennemi invisible, ennemi, Seigneur Dieu, invisible et visible, nous demandons bloquer au Seigneur, bloquer à gauche, Seigneur Dieu, bloquer, Seigneur Dieu, devant, derrière, Seigneur Dieu, bloquer en l'air, à terre, cher bon Dieu, tout esprit, Seigneur Dieu, qui pas de nature à glorifier, nous demandons bloquer, cher bon Dieu, nous demandons à soi, à Seigneur Dieu, que pouvoir, puissance, Seigneur Dieu, capable de rentrer, Seigneur Dieu, parmi nous l'Éternel des armées, que chaque monde qui vient là, Seigneur Dieu, il va trouver grâce, que chaque monde qui vient là, Seigneur, il va trouver onction, que chaque monde qui vient là, Seigneur, il va trouver dimension, l'Éternel Dieu, que chaque monde qui vient là, Seigneur, même les autres rentrés avec une tristesse, Seigneur Dieu, il va sortir avec la joie, grand mon Dieu, nous demandons autant, prie l'Éternel des armées, toucher chaque monde qui là et mon cap fini, Seigneur, on va toucher au Seigneur Dieu, on va camper avec vous, on va passer avec vous, Seigneur, afin que Jésus de Nazareth, vous va sentir réellement, vous êtes venu, vous pas venu, Seigneur Dieu, pour grand Messie, mais vous êtes venu, Seigneur Dieu, parce que Seigneur, vous joignez nos bagailles, non mais l'Éternel grand mon Dieu, nous remettons nos mains. C'est au nom de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Hello, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. How many people are happy to be in the house of God tonight? Amen. How many people know that it's a privilege to be in the house of God tonight? There are people who wish they could be here that are not. There are people who wish they had the life, they had the ability, they had the health to be in the house of God tonight, but they do not have that opportunity, but you do. How many people are grateful that they're in the house of God tonight? Amen, amen, amen. So we're going to get started, but I just want to share a little bit with you, if that's okay. So in the Bible, there's a story about a man. We all know who this is once I get into the story, but he was at a place, all right? That place was Bethel, right? And that place is significant because while he was there, all right, he met with an angel of the Lord, right? And he wrestled with that angel. And the reason why he wrestled with that angel is because he knew that there was something that he could get from there that he could not receive anywhere else. So he took advantage of the place that he was in and the opportunity that he had, because he knew if he left there and let that opportunity pass him by, that he would never get it again. And so he, when the angel kept saying, "Let me go, let me go, let me go," he said, "I'm not going to let you go until you bless me." How many Jacobs are in this place?
tonight? How many people came into the house of God and said, you know what? I'm not going to let you go until you bless me. I came here for a reason. I came with a purpose. I came with my heart full of expectancy because your glory is what I came for. How many Jacobs are in this place? How many Jacobs are in this place? Hallelujah. So we're going to sing a song. And I want you with all of your heart, even if you don't know the words, to let them come out of your heart as a prayer. Amen? Amen? Amen. So I'm going to ask you to stand up on your feet. And before we sing a word, before we say anything, I want you to lift up your worship before the Lord. The worship is not a song. It's not a note. It's not a certain chord. It's the disposition of your heart. It's what you came in your heart to offer to the Lord.